Salut tout le monde! Donc, j'espère déjà que ce format-là pour la caméra fonctionne. Parce qu'au lieu d'être comme ça, on est rendu comme ça! Yay! Yeah! Donc, aujourd'hui, je n'ai pas reçu qu'un seul colis, j'en ai reçu deux. En fait, celui-là, c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est plutôt ma mère. Mais je l'ai appelé et je lui ai dit, je peux-tu l'ouvrir? Elle me dit oui. Donc, let's go! Donc, c'est un colis de la compagnie Lime et Lune. Donc, ouvrons ça ensemble. Donc, Lime et Lune. Donc, ouvrons ça. Ça sort pas, yeah! Donc, on a un petit truc comme ceci. Ah oui, il y a une petite carte comme ça. Donc, c'est qui? Merci Sylvie, c'est ma mère. J'espère que tu l'aimeras. Signé Annie! Donc, Lime et Lune, la petite carte d'affaires qui se présente comme ceci. Le colis se présente comme ça et il y a de la suite dans les idées. Parce que le collant, c'est une lune! Donc, ouvrons ça. Je vais faire attention parce que je vais le coller dans mon cahier de collant. Et voyons voir. Oh! C'est assez basique. C'est plus basique que ce que je pensais que ma mère avait commandé. Donc, c'est un petit portefeuille qui se présente comme ceci. Donc, et voilà. Comme ça. Donc, et voilà. C'est vraiment un portefeuille très basique. Tu peux mettre des cartes comme ceci, comme ça. Et c'est pas mal juste ça, tu peux mettre des cartes. Donc ça, c'est la compagnie Lime et Lune. Donc maintenant, ouvrons le deuxième colis, donc la compagnie Cares. Donc, encore une fois, ça c'est la partie 2 des cadeaux de Saint-Valentin. Donc, et aussi, il y a un produit pour moi parce que genre, je me suis dit, non, il me tente d'acheter de quoi. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est de moi. Oh mon dieu, ok, il est beaucoup plus petit que je pensais. Ok, donc on a une petite carte. Merci pour ta commande. Merci énormément pour ta commande et ton support. On a ici un petit suçon en forme de cœur que je risque de manger dès la fin du unboxing parce que les sus sont rouges. J'adore ça. Ensuite de ça, selon ce que je me souviens que ça s'appelait... Oh mon doux seigneur. Un goupillon. Me semble comme ça ça s'appelle. On dirait une brosse à mascara. C'est drôle. Moi qui mets jamais de mascara, tu sais. Ensuite de ça, le petit produit que je me suis commandé, c'est ceci. Donc, c'est vraiment très, 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 très petit. Oh, c'est cute. La brosse est quasiment au plus grand que l'autre affaire. Oh, mon doux seigneur. Ouh, ça goûte bon, ça. Donc, c'est un mini gloss que la prochaine fois que je risque de mettre, ça va être à Saint-Valentin. Parce que je veux pas trop l'utiliser. Mais c'est au chocolat, puis ça goûte bon, puis ça sent bon. Par contre, c'est ça. Deux et quelque chose pour quelque chose haut comme ça. Peut-être un petit peu intense. Mais ça sent bon, puis ça goûte bon. Fait que, ça compense. Ensuite, on a un petit autocollant que malheureusement, il a plié comme ça. Donc, et voilà. Ici, dans la petite affaire comme ça, on a quoi? Ok, ça c'est le papier qu'elle a mis. Donc, shampoing solide et baume à lèvres, et plus le mini lip gloss. Donc, ça ressemble à ceci. Mais je ne vais pas trop vous le montrer parce que sinon, je ne veux pas quand même que vous voyez mon adresse. Logical. Ensuite de ça, on a, pour le premier cadeau de Saint-Valentin, on a ça. Donc, c'est un petit baume à lèvres à l'érable. My God! Ça sent donc mais bon! Wow! Un gros coup de cœur, mais c'est pas pour moi, fait que c'est triste. Et un shampoing solide petit, qui se présente comme ceci, de la compagnie Cares! Donc maintenant, c'est l'heure des commentaires. Ok, donc, ça, je peux pas vraiment faire de commentaires vu que c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère, tout ça. Ça a l'air qu'il est fait en liège. Donc ça, pour le côté original, c'est bien. Par contre, c'est peut-être un peu trop basique au niveau de la couleur, mais c'est ma mère qui l'a acheté. Elle devait le savoir. Donc, je peux pas vraiment me prononcer sur ces produits, sur ce produit-là, vu que je sais pas vraiment. En tout cas. Mais, donc, je peux pas donner vraiment de notes pour compagnie Lime et Lune. Par contre, pour Cares, là, je peux faire mes commentaires.
Donc, les produits sentent, comme d'habitude, bon. C'est une compagnie hallucinante que j'adore. Bon, ma lèvre, ça sent bon. Et il est hydratant. J'en ai déjà offert un moment donné à ma mère. Elle avait trippé, donc. Cadeau de Saint-Valentin, et pourquoi pas? Donc, on a un petit baume à lèvres qui se présente comme ceci. Que ça sent bon. La quantité est super, beaucoup, parce que ça va jusqu'à là. Donc, on a tout ça de produits. Ça maintenant, ça sent bon, ça goûte bon, mais je le trouve peut-être un peu petit. J'aurais peut-être préféré un format un peu plus gros, mais pour un format comme échantillon, c'est super. Mais c'est super cute, c'est tout petit. Comme full cute. La différence avec le baume à lèvres, vous voyez. Vous voyez. Mais pour vrai, il est trop mignon. Fait que ça récompense. Le shampoing, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma mère parce que c'est à elle que j'offre les cadeaux. Donc, un shampoing solide. Donc, c'est écrit à l'arrière. Il y a le truc Cares ici. Par contre, tout ça, un peu de surplus d'emballage. Mais. Que voulez-vous? Peut-être que ça aurait été mieux. Un peu moins d'emballage, peut-être coupé juste ici. L'étiquette aurait été shampoing, des petits bonhommes solides, avec le logo plus par là. Et que ça aurait économisé du plastique. Pourquoi pas pour une prochaine fois? Si tu passes par le Cares. Ensuite, l'autocollant, l'autocollant est choisi au hasard. Donc, je peux pas vraiment dire de commentaire là-dessus. Parce que c'est du hasard. J'aurais pu tomber sur un beau sticker. Ou un laid sticker. Ou un laid sticker. Je suis tombée sur ça. Ensuite, un suçon. Et une petite brosse comme ceci. Que je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. Vu que je ne me mets pas trop de mascara. Et tout ça. Mais on va sûrement lui trouver une utilité. Donc, sur ce. C'est ce qui termine notre unboxing. J'espère que ça vous a plu. Et ciao tout le monde!